The Louisiana French language. Français de la Louisiane. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Bon matin, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bien merci, pas de quoi, tracasse-toi pas, comment ça va, comment les affaires, comment ça se plume, comment ça se brosse, qui c'est ton nom, quel âge t'as, et où tu viens, je viens du Bayou Lafourche, à où tu restes, je reste en ville, quoi tu fais pour la vie. Je travaille au puits d'huile. Je travaille pour une banque. Je cours un restaurant créole. Je soigne des enfants. Passez une bonne journée. Passez un bon temps. Content de vous rencontrer. On va se revoir tout à l'heure. On va se revoir plus tard. Soigne-toi. Soignez-vous autres. Je m'ennuie de toi. Au revoir. Vocabulary. Je. Je, tu, si, vous, il, y, elle, et, al, a, ça, nous autant, vous autres, il, elle, al, eux autres, us, ça, qui, quoi, quoi, qui, et quand, qu'au faire, pourquoi, comment, quel, et quel, combien, aura, aster, dret là, ici, et tout, su, un temps, farce, drôle, fin de semaine, déjeuner, dîner, souper, doucement, vaillant, joliment, cabri, fromi, frémi, chevrette, ras-de-bois, caïman, cocodrie, mispilus, chat d'aigle, portrait, peinturage, châssis, chaussons, souliers, plaie, courage, drapeau, pièce, char, fête, chat d'aigle, chaoui, choupique, la Christine, la Christine, Combo, Lagnap, Latanier, Pacon, Patassa, Plaquemine, Choc, Jva, Chu, Est après, Est en train de, Souhaiter, Espérer, Attendre, Asseyer, Framer, Mouiller, Brailler, Peinturer, troller, charrer, jongler à, magasiner, faire du magasinage, faire la grosserie, faire des provisions, faire les agettes, gouverner, chauffer, courir. Sample text. Jean-So avait été à l'école pour apprendre l'anglais. Sa fille, il a revenu back pour visiter son père et sa mère, et il faisait comme s'il comprenait plus le français. Son père et sa mère, tu vois, ils autres faisaient jardin. Sa fille, il a été au jardin pour visiter, et puis, voir les râteaux et la pioche. Sa fille voulait demander à sa mère ce que c'était cet outil pour travailler le jardin. Et puis, en même temps, il met son pied sur le râteau. Le râteau a revenu back, l'a frappé sur la bouche. Pow! Ow! Il dit, mon fils putain de râteau! Oh, a dit, mon garçon, je vois ton français commence à te revenir. Les aventures de Huckleberry Finn par Mark Twain. Chapitre 1. Toi, tu me connais pas si t'as pas lu un livre qui s'appelle Les aventures de Tom Sawyer. Mais ça fait pas rien. C'est M. Mark Twain qui a fait ce livre-là. Il a surtout dit la vérité. Chaque fois, il élongeait les faits, mais c'était plus la vérité. Ah, mais ça, c'est pas rien. Tout quelqu'un a menti un ou deux fois. Peut-être tant de Paulet, ou la veuve, peut-être Marie.
Tant Polé, ça c'est la tante à Tom, et Marie et la veuve Douglas, ce livre-là, ça raconte tout pour les autres. Et c'est tout vrai principalement, avec Chuck Mantiri, comme j'ai déjà dit. Et là, le livre finit comme ça. Tom et moi, on a trouvé l'argent que les brigands avaient caché dans la caverne, et ça nous a rendu riches. On a reçu chacun 6000 piastres. Tout l'or. Ça, c'était quelque chose à voir, tout ça entassé. Enfin, le juge Thatch, il a pris l'argent et il l'a fait rapporter des intérêts. Ça nous a gagné une piastre par jour tout l'année. Et moi, on aurait de la misère à user tout ça. La veuve Douglas, elle m'a pris comme son garçon et elle a été résolue de me civiliser. Mais ça chauffait pour vivre à la maison tout le temps par rapport à tous les moyens de la veuve, si tellement propre et si tellement règle. Et là, et quand j'ai pu plus le supporter, j'ai pâti marron. J'ai mis mes vieux haillons et rentré dans mon beaucoup à sic, et j'étais libre et content. Mais Thompson, il m'a trouvé, et il m'a dit qu'il allait monter une bande de brigands. Il a dit que je pourrais les rejoindre si je m'en reviendrais à la veuve et si je respectais. Ça fait, je m'en ai revenu. Hey, Boog, tu veux chanter avec moi? T'es paré? Ouais. Un petit chat, oui, qui mangeait du riz sur un tapis gris, sa maman lui dit. Chat, ça c'est pas poli de manger du riz. Sur un tapis gris, sur un tapis gris, sur un tapis gris, sur un tapis gris. Mais un tapis blanc, ça c'est ok, non? Comment faire un roux? Tout d'abord, qui c'est le roux? Un roux, c'est la base pour beaucoup de plats louisianais comme gombo ou fricassé. Il est fait avec la farine et l'huile, brûlé jusqu'à ce que ça devienne la bonne couleur. Le plus léger la couleur, le plus épaisse la sauce. Mais le plus foncé la couleur, le plus fort le goût. Ça fait c'est possible de mélanger deux qualités de roux, un plutôt blanc, un d'un brun plus foncé comme du chocolat, pour avoir une sauce épaisse avec un bon goût. La recette est simple, une partie de la farine, un de l'huile, mets le feu bas et brasse. Une fois que c'est la couleur que tu veux, t'es fini. Pour faire un roux avec moins de graisse, tu peux faire brûler juste la farine tout sec, sans huile. Mais là, c'est plus aisé de la trop brûler. Ça fait si ça devient noir et commencer à coller au fond de la chaudière, là, c'est plus bon. Fais attention! L'odeur et le son de la céprière m'ont réveillé à ce matin. La sève douce de cipre qui coule adoucit l'air et attire des mouches à miel qui sont après voltigées du glé au glé. Je peux les attendre après bourdonner si fort que ça semble que je crois que c'est leur job de faire se lever le soleil au lieu de chorus. Le brouillard qu'on a sueur de bassin est après dégoûté de la couverture, puis ça tombe dans les dalles de mon chaland et ça finit par adoucir l'eau dans ma citaine. Je peux attendre des derniers grognements des wawarons qui ont couillonné des cadiens qui ont été prêts les chasser le soir avant. Le silence vivant de la nature est comme un cadeau donné par le bon Dieu.